Paix et grâce, bon Dieu, avec nous. Matin, nous sommes contents pour nous capables d'entrer dans le temple. Pour nous capables de faire rencontre avec le Seigneur, c'est lui-même qui met la vie. Sans nous pas perdre du temps, nous avons ouvert la Bible ensemble avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 2, et nous avons lu le verset 14 au verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 2, les versets 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfait de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant par ces choses? Parole du Seigneur. Matin, bien-aimé, frères et sœurs dans le Seigneur, moi t'ai aimé réfléchir avec vous sur la victoire. Titre message matin, c'est la perception de la victoire en Christ sur nos ennemis. Perception de la victoire en Christ sur nos ennemis. Permettez-moi matin pour nous capable annoncer une bonne nouvelle. Qui est cette bonne nouvelle? Moi, je préfère qu'on ait, lorsque on est de nouveau, ou capable de mener une vie gagnante pour Dieu. Lorsque nous devenons l'autre monde, lorsque nous nouvelle créature, ou capable de devenir une vie gagnante dans mon Dieu. Là, on est de nouveau. Ou gagne une victoire constante, une victoire permanente dans l'union ou même avec Jésus-Christ. Qui t'aime lire dans l'autre version qui est capable de mettre le message à Chita, c'est dans la version Bible annotée. Nous sommes lire dans la version Louis Segond. N'a pas lire la version Bible annotée, la même parole que nous sommes lire là. Apôtre Paul dit, mais loué soit Dieu, car il nous a entraînés sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Il nous utilise pour faire connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet comme un parfait à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Pour ceux qui sont sur la voie du salut, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Qui donc est capable d'accomplir une telle œuvre? Bien-aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu pour nous qui sommes chrétiens, c'est la victoire. La victoire constante, la victoire permanente en Christ. Le plan de Dieu, c'est pour que nous capables d'être toujours victorieux en Christ. Toujours victorieux en Christ. Et dans Romains chapitre 8, verset 28, la parole de Dieu déclarait, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis mon Dieu, c'est pour moi-même avec, nous devons toujours, toujours rester victorieux. Peut-être matin, vous pouvez pas poser cette question ça. Pour gens autour de moi, des problèmes, comment m'amener en vie de victoire?
pour Jean, bagaille qui a passé bon côté, mais ouais, il est impossible, il est indispensable pour être capable de mener une vie de victoire. On peut même supposer que l'apôtre Paul, qui a écrit l'être ça, il était fait erreur. Il n'est pas possible pour nous vivre sous terre ça, ou t'as pensé comme ça. Il n'est pas possible pour nous vivre sous terre ça, pour nous capable mener une vie victorieuse. Quittez-nous, apôtre Paul, pas fait erreur. Apôtre Paul, c'est de quoi il parle. Apôtre Paul, pas fait erreur. Apôtre Paul connaît que tout le monde qui connecte dans Christ, il a mené une vie constante de victoire. Tout le monde qui connecte dans Christ, il a mené une vie permanente de victoire. Mais il faut que nous connecter dans Christ. Il faut que nous attachions dans Christ. Faut mon a vivre une vie de victoire. La parole de Dieu montre que lui mentionnait que yon moun, yon chrétien, il est capable de connaître des faits s'il a mené une vie qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Mais il n'a pas une obligation pour le capable de connaître les fêtes. Enfant de Dieu, pas une obligation pour le capable de connaître les fêtes. Enfant de Dieu, doit mener une vie victorieuse. En regardant verset 14 là, il dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ. À nous fixer le regard nous sous verbe ça, triompher, que apôtre Paul écrit, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Moussa, à l'époque de apôtre Paul, Romain, il était connu en pile guerre. Et après la guerre, ils ont gagné, ils ont célébré la victoire. C'était une grande fête. Ils ont célébré la victoire, ça. Et ils ont gagné des centaines, en époque après de Paul, des centaines d'actes de triomphe. Actes de triomphe, là, qui sont liés. C'était un monument qu'ils ont dressé. Après la victoire, après la guerre, ils ont gagné la victoire générale, là. On connaît que le gain victoire, et puis ils ont dressé des monuments en acre pour capable célébrer victoire. Mais comment ils ont célébré victoire ça? Après victoire, il y a un monde qui sortit dans le champ de bataille là pour aller dans la ville, plus grande ville romaine, pour être capable d'annoncer victoire. Pour le capable faire connaître que ils ont gagné une victoire. Rome a remporté la victoire. Et Mounsa, ils ont appelé Héo. Héo, ça écrit H, E accent aigu, A, U, T. Ce n'est pas Héo, H, E accent aigu, A, O, S. Héo. Ils ont appelé Mounsa, c'est un monde qui prend le vent. Qu'il a annoncé. C'est un annonciateur. Il prend le vent pour annoncer victoire. Parce que dans l'époque, la communication n'est pas fluide tant que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas de communication qui était très fluide. Que nous, si nous avons WhatsApp, nous avons Instagram, nous avons toutes les réseaux sociaux pour nous être capables de faire un message passer. Pas de radio, pas de télévision. Mais tu es obligé de faire un million d'euros. Qui te déplacé pour être capable de faire communication pour la faire peuple la connaître que Rome gagne victoire. Et c'est même mot ça que l'apôtre Paul utilisait en grec kerukes qui signifie eo. C'est le même tout utilisé pour traduire prédicateur. Yon prédicateur, c'est yon qui campait devant, qui a
annoncé une nouvelle, qui a annoncé une bonne nouvelle. Et qui nouvelle, un prédicateur a gagné pour annoncer ce que Jésus a remporté la victoire. Un prédicateur a gagné l'autre nouvelle pour capable annoncer. C'est que Jésus a remporté la victoire. Jésus est victorieux. La présenter bonne nouvelle là à peuple romain. Lorsque Héro arrivé, les bonnes nouvelles là, et puis peuple a commencé à installer des guirlandes. Ils ont commencé à mettre des fleurs dans toute bonne route là parce que général qui vainqueur pour l'entrer dans la ville là. Ils ont placé des guirlandes, ils ont commencé à faire préparation. Et peuple là, t'es campé de bon chemin pour être capable de recevoir général là qui t'a fait entrer triomphal. Parce que les autres gagnent victoire. Et c'était sous acclamation. Pendant que général entrait sous cheval, cheval habillé blanc. Et puis la entrée, c'était sous acclamation. C'est ça l'apôtre Paul devait décrire. Il a parlé de victoire de Jésus-Christ. Et derrière ce cheval-là, il était gagné un général vaincu. Général qui était perdu. Bataille-là. Il était derrière cheval-là. Derrière général-là. Il était traîné. Devant tout le monde. Il était humilié. Devant tout le public, avec étoile, épaulette, il t'a humilié devant tout le peuple romain. Et c'est ça, je dis que Jésus-Christ, là, parlé, par rapport à Paul, Jésus-Christ fait une victoire. C'est ça, Jésus-Christ fait Satan. Jésus qui traînait Satan, qui dépensait le tégué force pour être capable de détruire nous. Jésus-Christ a une victoire. C'est ça qui apporte Paul dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Peuple romain, tu gagnes une bataille. Mais est-ce qu'on connaît 4 septembre 476, il a perdu victoire et il a perdu pouvoir. Mais apôtre Paul le fait connaître dans le verset ça, que Jésus-Christ fait toujours triompher. Toujours. Nous toujours gagnons triomphe. Nous toujours gagnons pendant que Satan dépouillé. Maintenant, frères et sœurs, moi je t'ai aimé avec vous. Il y a 3 bagailles que je t'ai aimé dans le message là. Peut-être nous avons quelqu'un qui est mais il y a 3 bagailles qui gagnent dans le message là. L'artisan de cette victoire. L'artisan de cette victoire. Deuxième bagaille, c'est l'espace ou l'étendue de cette victoire. Troisième bagaille, la bonne odeur de cette victoire. L'artisan de cette victoire. En regardant encore le verset 14, là, il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Qui nous fait toujours triompher en Christ. » Regardez ça. L'IPA dit « C'est nous qui triompher comme ça, non ? » En Christ. Ça montre que si vous n'avez pas Christ, vous n'êtes pas capable de gagner un triomphe. Si vous n'avez pas Christ, ou pas capable de triompher, pour capable de triompher sous Satan le diable, faut que vous ayez Christ dans la vie. Faut que vous ayez une parfaite communion avec Christ. Gagnons amis qui te voyons chrétien. Il te fait déclaration ça. Il dit, j'aime amener la vie. T'assembler qu'on triomphe, qu'on gagne victoire sous Satan le diable. Les voit comment frère a vivre.
Il voit comment Jésus-Christ, puisque lui attaché dans Jésus-Christ, il voit que Jésus-Christ va victoire. Et frère te répond pour lui dire non, ou faire erreur. Si je suis vainqueur du diable, c'est Christ. C'est Christ qui a bâillé victoire. Ou pas qu'il capacité. Ou pas capable de bataille avec le diable. C'est Christ qui a bâillé victoire. Pour que le diable soit capable de vaincre, il faut qu'il vive en Christ. À nous font garder dans Colossiens, encore écrit de l'apôtre Paul, au verset Colossiens 2, verset 13, Paul a parlé sur le même sujet. Il parlait de victoire en Jésus-Christ, comme Jésus-Christ, le grand conquérant, qui remportait la victoire. Rappelez-vous que nous sommes parlés d'un général roumain qui était gagné. Lorsque le général roumain qui fait Edmion, Rome gagné, et puis ils ont entré avec triomphe dans la ville. Parce que Jésus-Christ, parce que ils ont gagné une bataille là, parce que ils ont victorieux, et mon général qui était perdu, qui était vaincu, lui-même, il était humilié. Il était perdu pour voir. Et c'est ça qu'il dit dans Colossiens 2, verset 13. Et vous qui autrefois étiez spirituellement morts à cause de vos péchés. Avant que tu connais Christ, ou tu es mort à cause des péchés, ou tu es mort, et parce que vous étiez des incirconcis, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Ou venir la vie. Il y a un monde qui t'aime toujours, il y a un monde qui parle de Christ, c'est un mort qui marche. Pour le capable de la vie, il faut gagner Christ. Cap vivre dans lui, parce que c'est Christ qui est capable de bailler la vie. Parce que l'autre qui est capable de bailler la vie, c'est Christ. Et c'est Christ seul. Le Seigneur nous a délivré premièrement de la mort. C'est ça lui-même qui est délivré nous de la mort. Dans Hébreux 2, verset 14, il dit, par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, Jésus-Christ sur la croix, lui anéanti, lui crasé, lui brisé, lui fini avec Sila, qui pensait qu'il était fort, lui crasé puissance. Lui. C'est pour dire que le Seigneur nous a délivré de la mort. Avant, nous étions morts, nous étions fini. Mais Jésus-Christ a délivré nous de la mort. Et un monde qui peut connaître Jésus-Christ, il besoin d'un miracle pour être capable de revivre encore. Un miracle. Parce que le péché, pas gagner l'autre remède, ou pas capable d'acheter un remède dans la pharmacie pour péché. Si vous êtes malade, ou vous êtes dans la pharmacie, ou vous êtes dans le docteur, il y a bon remède. Mais le péché, pas gagner l'autre remède que le sang de Christ. Si vous avez besoin d'un monde qui peut connaître Christ, qui c'est un mort pour le capable de vivre encore, lui a besoin d'une intervention, d'un miracle. Pour qu'il fête dans la ville. Parce que c'est là qui a un pouvoir sur le moral, il est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas seulement délivré nous de la mort, le Seigneur nous a délivré de la dette de notre péché. Pas oublier, nous avons dette, nous avons péché. Nous avons des Satan de accuser nous. Jésus-Christ vient mourir, cloué sur la croix, pour être capable de délivrer nous de la dette de nos péchés. Il fait nous grâce. Dans verset 14, là, il dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Non, l'autre mot, nous sommes capables de dire, lui effacer les péchés. Lui effacer d'être nous. Lui annuler document qui était écrit. Lui annuler document qui était écrit sous nous.
qui te condamnaient, nous l'annulons, les supprimons par sa mort sur la croix. Satan t'a accusé, mais Jésus-Christ, lui-même, est venu pour être capable de délivrer nous en bas d'accusation Satan. Quel grand miracle, quel grand bénéfice moi-même avec nous recevoir de la part de Christ. À Rome, le tribunal criminel jugé. Mais comment il était possédé? Les juges la fin prononcer sentence, lui. Rapport que greffier a été dressé. Rapport que greffier a dressé. Léopold mette. Mon accusé en prison, n'importe cellule là, il a cloué rapport. Qui gagne toute bagarre là-dedans? Mais pour qui ça, un tel t'est accusé? Mais qui peine au bali? Mais combien de temps peine a duré? C'est comme ça qu'on t'est procédé. Et apôtre Paul utilisait presque même image pour dire que Jésus-Christ chirait à cla. Il clouait à cla sur la croix. Et les accusés a été fin purgé peine. J'ai eu prison, chef prison, tel point accusé, pour le mener par le juge là, avec même document ça, pour vérifier est-ce que tout est correct. Est-ce que l'épuisé a tant, autant d'années qu'elle t'a gagné pour le puiser de tes peines. Et à la fin, il a dressé un rapport, il a bailli pour le capable de dire que toute dette là payée. Tout dette la payer, il est capable de prendre la rue, il est libre. Mais c'est ça Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. C'est que dette nous, tu es payé sur la croix. Jésus-Christ paye elle. Et acte ça que au dressé, juge là, tu as parlé de tétélestai. Tétélestai qui voulait dire, son mot grec, qui voulait dire payer entièrement. Et documenté Télestai, ça a été nommé accusé, qui vit dans un nouveau libre. N'importe monde qui était capable de rencontrer avec lui dans la rue, qui t'a voulu accuser pour même peine, ça, la bras les documents. Eh bien, je dis à moi-même, avec le frère Maxime, nous avons des documents, ça, dans la main. Sous la croix, Jésus-Christ, ben, nous documents, ça. Pour les Satan voulait accuser nous. La bras les documents, ça. Nous avons dit que Satan n'a pas de pouvoir sur nous encore. Parce que nous sommes capables de dire que Satan était l'estaï. Jésus-Christ est payé. Il est payé entièrement. Pas de encore. Ou pas qu'à accuser encore. D'être ça, sans Jésus-Christ payé. Sous la croix. Paul dit c'est Jésus-Christ qui te prend le document ça. C'est Jésus-Christ qui payait. Pour moi, c'est Jésus-Christ qui payait pour vous. Si on ne réclame pas aujourd'hui devant Satan, c'est vous qu'on est. Parce que Jésus-Christ payait et documents ça nous met. Quand on passe, Satan pas qu'à accuser encore. On va les documents parce que dette l'a payé. Pas oublier Satan. Il jouait un rôle de procureur. De la poursuite. Procureur, c'est un avocat qui a poursuivi l'accusé pour agir dans l'intérêt accusé. Satan a l'accusé nous au bénéfice de royaume-li, royaume du ténèbre. Il a accusé nous et il a défendu le royaume-li. Mais Jésus-Christ lui-même, l'été payé de ça sous la croix. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, il déclarait, celui qui me défend se lève et il dit au Père, oui, il a péché, mais Père, regarde ce qui est écrit sur le document. Oui, c'est vrai, ou t'es péché, mais l'écrit, t'es de l'estaï, d'être entièrement payé.
Satan pas qu'à accuser encore. Dans Romains 3, verset 33, la parole de Dieu déclarait, qui peut accuser les enfants de Dieu? Personne, dit Jésus. Qui est-ce qui a accusé encore? Personne. Il te met n'importe sale de capable. Il n'est pas accusé encore parce que d'être là payé ou bien l'autre vie qui va mener. Jésus-Christ est payé. Ou pas qu'il est encore. Chers amis, la bonne nouvelle, c'est que sur la croix, Jésus-Christ a tout accompli. De la payer complètement. Jésus-Christ pas seulement délivrer nous de la mort. Jésus-Christ pas seulement payer d'être là, mais le Seigneur nous a délivré de l'emprise que le diable avait sur nous. Jésus-Christ délivré nous sous l'emprise que le diable a gagné pour nous. Le diable a toujours connu, il est capable d'avancer sous nous, foncer sous nous. Jésus-Christ nous a délivrés de l'emprise du diable. Jésus-Christ délivre nous. Dans verset 13, Colossiens 2, verset 13 et 14, il dit que Jésus-Christ délivre nous complètement. Et verset 15, là, il montre nous que Jésus-Christ est dépouillé. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et il les a données publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. L'idée prend Satan dans mes temps d'un coup. Soldat romain, général romain, t'as traîné, général qui t'es vaincu devant tout le monde en poussière, avec toute radli. Jésus qui traîne Satan en poussière. Jésus qui délivre nous de emprise, malin. Songez dimanche, les pasteurs venus taper, adorer. L'idée dit que Satan, c'est un chien sans dents. Le paisible pendant Jésus qui t'a traîné tout dans le rachet. Il a rachet. Ça veut dire, Jésus qui délivre nous de emprise Satan le diable. Il dépouille Satan le diable complètement. Colossiens 2, verset 15. Ayant ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Satan te couvrit de honte. Parce qu'il était non seulement enchaîné, mais traîné en spectacle ouvertement. Souhait Satan a fait tout ça, c'est mon qui ne connaît pas. Mais tout le monde qui a servi mon Dieu connaît que Satan perdit déjà. Souhait a fait tout ça, l'a fait pour mon qui ne connaît pas. Il y a un proverbe qui dit quand on ne connaît pas qui. Pour qui passe pour là? Pour les gens qui ne connaissent pas Satan, Satan pouvait zéler, la pouvait pour l'estomac, mais pour les gens qui connaissent Satan, la connaît que le petit déjà. Il n'y a pas en prise encore. Il était honte devant la société. Et jusqu'à présent, nous devons connaître que Satan derrière charge Jésus la traînelle. Il derrière charge Jésus qu'on y a la traînelle. Jésus-Christ te vainque Satan. Et qui te m'jou, lorsque Jésus-Christ te mouru sous la croix, il te prend soin pour le régler quatre bagailles pour moi-même avec. Premier bagaille, il te prend temps pour le régler, c'est que il s'est occupé de vos ennemis qui vous plongeaient dans l'esclavage. Premier bagaille, Jésus-Christ te réglé, il te occupé des ennemis de Satan, le diable qui a plongé dans l'esclavage. Café, Kamando pour protéger, pour me couler, pour ne pas jamais retirer sur vous. Kamando pour faire des sacrifices. Jésus-Christ règle les bagages ça déjà. Si vous continuez à faire ça, vous connaissez. Jésus-Christ règle ça une fois pour toutes. Deuxième bagage, que Jésus-Christ a réglé sous la croix. Il a pris soin de votre mort. Jésus-Christ. Prends soin. Il connaît que chrétien mourir, c'est traverser la parole de l'autre bord, vivre l'autre vie. Il n'est pas mourir. Il était prend soin de ça. Il a réglé votre dette. Ou pas de moi encore. Jésus qui était prend soin de ça. Il a réglé la dette là.
Et il a enlevé tout pouvoir que le diable exerçait sur vous. Il exerçait tout pouvoir que le diable t'a gagné sous vous. C'est pour ça, matin, moi, le fort qu'on est, frère Maxime. L'artisan de votre victoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'auteur de votre victoire, c'est votre Seigneur Jésus-Christ. Connaît, répétez la carte aujourd'hui, moins son victoire. Moins son victoire. Quand on passe, moins son victoire. Moins son victoire. Parce que positionnellement, puisque vous sommes mon capitaine et mon fils en Christ, positionnellement, vous son victoire. L'auteur de votre victoire, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, quel est acclamé? Quand on passe, marchez avec acte de l'estail. Marchez quand on passe, et chaque fois Satan a accusé, dit d'être là, payez déjà, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.